Quelques 600 migrants forcent la frontière entre le Maroc et une enclave espagnole. Image. Environ 600 migrants ont forcé la frontière entre le Maroc et la ville autonome espagnole de Ceuta, située sur la côte nord de l'Afrique, a annoncé le journal La Vanguardia. Au moins 600 réfugiés ont brisé ce jeudi la clôture qui matérialise la frontière entre le Maroc et la ville autonome espagnole de Ceuta, rapporte La Vanguardia. Selon le média, certains d'entre eux étaient armés de lance-flammes artisanaux. Les migrants ont en outre jeté des bouteilles avec des produits caustiques contre les gardes-frontières. D'après la Croix-Rouge, au moins 132 d'entre eux ont été blessés, comme l'indiquent les forces frontalières, 22 gardes-frontières également. Le média informe qu'au moins 586 personnes se trouvent actuellement dans le centre d'hébergement de migrants de Ceuta.